la réussite dans ce que vous faites, comme c'est un média en ligne, ce sont les vies. S'il n'y a pas les vies, il n'y aura pas aussi un gain. Maintenant, il faut chercher beaucoup de vies. Maintenant, pour avoir des vies, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de stratégies. Si vous travaillez sans stratégie, vous n'allez pas rester. Si, mais si vous avez des stratégies, les gens vont dire que non, ils ont des fétiches, ils ont fait ça, et ces petits-là. Et puis les gens ne croiront pas que c'est à Ilebo que JSM a commencé. Moi, comme moi personnellement, moi je ne pensais pas que JSM, c'était quelque chose commencé à Ilebo. Parce que je voyais JSM Lubumbashi, je voyais Chikapa, etc. Je me suis posé la question, est-ce que réellement j'écris que non, Siméon, peut-être il est là comme quelqu'un qui aide aussi. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est Siméon qui est le patron de l'électricité. À ce que notre promoteur principal, souvent moi, j'ai l'habitude de dire qu'il est patron de JSM TV. Alors, cet ami de le dire, il nous a expliqué en long et en large comment fonctionne JSM TV. Alors, si je comprends bien, le souci principal est de faire évoluer JSM TV, de chercher un développement. Alors, il peut nous exposer ce qu'il a comme difficulté, ce qu'il a aussi comme état de besoin. Comme ça, si peut-être parmi nous, il n'y a pas des gens qui peuvent terminer toutes ces difficultés, hein, on peut sortir avec une idée, toquer des parts et d'autres, comment on peut parvenir à réussir ce qu'il a comme idée. C'est pour soutenir JSM TV. Moi, avant de commencer, je vais quand même passer un témoignage à cette chaîne que vous avez dit JSM. J'étais un jour curieuse, c'était l'année passée, des passages comme ça. Il traversait vers Zami. Je me suis croisé avec un jeune comme ça, qui me connaissait depuis là longtemps. Je crois peut-être 10 ans en vie. Je suis arrivé chez lui, un plasma, tout ça, une maison bien équipée, avec des télévisions qui possèdent des mémoires. Quand il a mis ça, il est allé dans une page comme ça, quelconque, sur. Opéra Mini, il a tapé, il est beau. Directement, j'ai vu en centrale, Sep Congo, quelque chose comme ça, même vous aussi. Terra Nisa, complètement au bout, Il descend comme. J'étais flatté, mais je ne savais pas l'odeur. J'ai vu des images, des belles images. Banque centrale, vers même chez nous, là, j'avais vu notre maison. J'avais montré au vide. Non, ça, c'est notre passé, comme ça. Ah, il est comme, mais, la remontée de l'Europe, au niveau international. Et puis la page, pas Facebook, mais YouTube. Vous connaissez quand même cette page, comment ça pèse, non? Il y a beaucoup de gens qui ont des employés, mais ils n'acceptent même pas cette page. Par ignorance et autre chose. On a commencé à parler, il y avait beaucoup de gens, il y avait même des étrangers aussi au paradis. Ah, oh, il est beau tout ça. L'État, il y avait plus de 20 vidéos comme ça. Mais, il a fait grâce cette année seulement. On est passé là, j'ai fait 6 mois comme ça. Je vous ai dit, si je vous ai dit en train de passer comme ça, je prenais mon ordinateur et je venais de Kinshasa. J'ai demandé ça, c'est quoi, oh, JSM TV, avec le nom, je me suis rappelé. Ah, j'ai vu quelque chose à Lubumbashi, à Polésie précisément, JSM comme ça, avec les images. Ah, mais ça, c'est encourageant. Par curiosité, j'ai posé des questions. Qui est le promoteur? Oh, nous sommes les jeunes comme ça. Les jeunes comme ça, pourquoi? Par manque de moyens, tout ça. Moi, je dis, on va parler. On en parlera moi, avec les gens. Qui a besoin de l'aide, qui a besoin d'avancer et puis d'émerger. Pour rejoindre mon frère qui a apporté, vous a demandé l'état des besoins. Donc, avant de concevoir votre idée, vous êtes assis, vous avez imaginé quelque chose. Vous êtes dit, j'aurais besoin de ceci, j'aurais besoin de cela, pour avancer, pour atteindre mon objectif. C'est comme cela, lui vous a demandé de proposer votre état de besoin. Pour que ceux qui sont ici puissent voir, vous avez besoin de ceci, vous avez déjà ceci, pour évoluer. Si je ne m'en mise pas, je comprends bien
les soucis de papa Ali Moutiandan. Il n'avait pas posé une question, mais il a tout simplement demandé dans les groupes GCM qu'est-ce qu'il faut pour que les groupes soient en marche. Normalement, quand nous sommes dans un groupe où il demande 3 gigabytes, ça demande des bonnes images, ça demande aussi des bons audio. Parce que si nous avons de bonnes qualités d'image, de bonnes qualités d'audio, je sais qu'il demande une autre couleur, peut-être qu'il doit refléter notre cité, soit notre territoire Tinebo. Avec moi, comme il a dit, c'est qu'on puisse établir l'état des besoins. Bon, l'état des besoins serait établi quelque part dans le staff et par après, ça serait donné par le manager, le consort. Je ne pourrais pas dire ce que j'avais à dire, mais je vais me répondre par rapport à tous vos soucis. Donc, c'est normalement ça. C'est-à-dire, on est une chaîne qui est vraiment électronique. C'est une chaîne électronique, c'est-à-dire une chaîne qui dépend de la connexion. Voilà, de la connexion, du matériel, autre. Mais surtout, ça vient après. Je vais insister. Surtout ce qui nous intéresse dans l'aspect du management, c'est là où vous êtes connu d'abord, là où vous êtes connu des biscuits. Cherchez aussi que nous soyons, comme le fait mon papa pasteur Toto, c'est comme j'ai fait. Aujourd'hui, ce que je pensais, je croyais comme si ça serait seulement quelque chose de difficile, de grave, qui sortira toujours de ma poche, ou soit de nos poches à la conception. C'est pas ça. Il a eu à nous appeler un des bons jours. Là, je réponds au même moment. Il a eu à nous appeler un des bons jours. Et on est au sommet. Il m'a appelé moi. Je n'étais pas les seuls, j'étais les élèves de mon équipe.